Grâce à ce sort, le magicien crée... J'ai un parchemin aussi, moi j'avais pas fait gaffe. Mon cher Corian, veuillez excuser le style abrupt que j'utilise aujourd'hui pour vous écrire, mais le temps m'est compté et il me reste tant de choses à accomplir. Ce que nous avons craint va se produire prochainement, bien que différemment de ce qui fut annoncé certainement. Ah, je me suis perdu. Ce qui l'on sait certainement, pas au moment le plus approprié. Comme nous le savons tous les deux, prévoir ces événements s'est avéré de plus en plus difficile et nous laissant guère d'autre choix que le saut dans l'inconnu. Nous avons fait ce qui était dans notre pouvoir pour les vôtres et le moment approche où nous devons nous retirer et laisser libre cours aux événements. Nous avons peut-être été un tantinet trop protecteur jusqu'à ce jour. En dépit de mon désir de garder la plus totale neutralité dans cette affaire, je ne pouvais pas de toute conscience laisser les événements se dérouler sans quelconque mesure d'avertissement. Nos adversaires vont très bientôt se mettre en mouvement. Et je vous conjure de quitter Château-Suif cette nuit. Mais asseyez-vous, vous voulez ? L'obscurité peut être un risque, mais une cible en mouvement est toujours plus difficile à atteindre, même à découvert. Tout ce que nous pouvons souhaiter à ce stade, c'est d'avoir la chance de nous en tirer. En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide aux voyageurs de passage. Inutile de vous rappeler que le pays est dangereux même en dehors des difficultés actuelles et qu'un groupe est plus fort sous tous les rapports qu'une personne isolée. Si vous avez besoin d'assistance complémentaire, sachez que Jaira et Khalid séjournent actuellement à l'auberge de Bras Amical. Ils ne savent rien des événements qui se sont produits. Mais j'ai besoin d'une bière. Non. Que la chance soit avec vous. Ce genre d'exercice n'est plus de mon âge. Ni eux. Alors, Jaira et Khalid, ils sont là. Oui, je sais. Bah, bonjour. Combien de temps va-t-il falloir attendre ici? Les choses s'agitent au sud pendant ce temps-là. Les accents tout fouet. Bonjour, oui. J'ai l'air familier. Vous avez l'air familier. Bien que votre visage ne me dise rien, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je crois que vous êtes l'enfant Gorion. Je suis Jaira et voici Khalid. Enchanté de vous connaître. Ah, c'est le même icône que moi, j'ai pris celui-là. Nous sommes de vieux amis de votre père adoptif. Il n'est pas avec vous? Cela me fait craindre le pire. Il ne me permettrait pas à son enfant unique de partir sans lui. Et moi? Je suis son demi-frère par alliance et adoption. S'il n'est plus de ce monde, nous partageons votre peine. Gorion disait souvent qu'il craignait pour votre vie, même au prix de la sienne. Il souhaitait que Khalid et moi soyons vos protecteurs si jamais sa vie devait prendre fin prématurément. Toutefois, vous avez grandi maintenant et le choix de vos compagnons vous appartient. Nous pourrions voyager avec vous jusqu'à ce que vous fixiez quelque part et nous vous aiderons à trouver votre place dans la vie. J'avais supposé que c'était un bégaiement. Oui. Cela serait un dernier service rendu à Gorion, mais nous devons d'abord aller à Naskel. Khalid et moi, nous enquêtons sur des problèmes locaux et des rumeurs courent sur des événements étranges survenus à la mine. Vous avez sans doute entendu parler de la pénurie de fer. Vous feriez bien de nous aider, cela nous concerne tous, y compris vous. Nous devons rencontrer le bailli de la ville. Bérin Tumor. Votre compagnie serait appréciée. Parfait, nous partirons dès que vous le voudrez, mais le plus tôt sera le mieux. Et paf! Ça fait des chocs à pic. Alors ça je sais pas, mais ok, donc on a qui en plus? On a un guerrier druide avec un guerrier tout court. Ok. Alors si je fais... Alors c'était... Comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait ça, ça... Comment je te l'attribue? Le serviteur à vos ordres. Alors je sais pas comment je t'attribue les persos. Si je peux d'ailleurs. Je vous en prie, mais asseyez-vous, vous voulez.
Mais attends, suivi sur toi, ça c'est cool, mais non. Super, mais J'ai besoin d'une bière. Je peux faire ça, ça, et du coup Oui. Dès que tu bouges, il te tâche suit, facile. Mais Ah, ça veut dire c'est toi qui les contrôle entièrement. Bah, je trouve pas de touche permettant une modification du. Bah, il me saoule ce gosse à vouloir prendre bien. Retirer. Je peux juste retirer les personnages, donc j'ai pas évité de faire ça évidemment. Bah je oui. Je peux te retirer toi aussi. Fais gaffe à ce que tu fais quand même. Non, je vois pas quelle touche il faudrait utiliser. Arbitrage des personnages, mais ok, c'était le dernier bouton. Ça va scier la position dans le groupe. Alors j'ai pensé à ça par rapport à un autre jeu, mais non, c'est bon, j'ai trouvé, c'est le dernier bouton à ma gauche. Alors, tout à l'heure, comment j'ai attribué tac. Ok, tac, tac, tac. Je prendrai le... Ah, tu me files les deux ? D'accord. Bon, deux guerriers, j'imagine que du cac, quoi. Et moi, j'ai pris okay. Le distant. Ok. Faut-tu mettre prêt, du coup, après que je les ai attribués. Moi, je suis prêt, hein. Mais tes joueurs secondaires aussi, des autres voix dans ta tête ont besoin d'être prêts. Voilà. T'as pas compris. Voilà. Divinity, je cherchais tout à l'heure, d'ailleurs. Par rapport à Divinity, là, effectivement, je vois plein de tu les partout, bah sinon, tu cliques à droite, c'est le bouton du haut, en bas à droite. Hein ? En bas à droite, le bouton du haut. Je vous en prie, mais d'accord. Asseyez-vous, vous voulez. Merci. Rien. Donc oui, on peut rattribuer sans relancer le jeu, ça me oui va. C'est donc, fait. Du coup, 3 cacs. C'est fait. Déjà plus des épées. Bon, ils sont déjà un peu équipés par contre. Une tâche facile. Et du coup, on est sur 5 persos sur 6, donc il y en a encore un. Et puis. Alors, du coup, on va commencer le crochetage. Toi. Toi. Moi, je m'en vais. Tu vas où là ? Je suis à l'étage. Ah, d'accord. Je sais pas si. Ah, tu me fais peur arriver toi. Je rate tous mes crochetages hein, donc on peut avoir une stat de fou au crochetage j'imagine au début. Super, on va avoir la garde qui va débarquer, ça va être vachement bien. Oh mais... Toujours à râler ce nain. Je sais pas si c'est un jet de dés pour le crochetage. Calme l'elfe. Demi-elfe. Oui bien sûr. Parce que si c'est un jet de dés autant essayer plusieurs fois mais... Ah, le gentilhomme, je pense qu'il va pas me laisser oublier tranquillement. Il y en a un autre dans la chambre là, qui est verrouillé. Moi, je m'en vais. Crochage de serrure raté, non mais il y a rien à y faire. Mais en gros, elle est pourrie comme voleuse quoi. C'est clair. C'est toi, par contre, il m'aurait fallu c'est un fait image pour pouvoir identifier une ceinture que j'ai. Ah non, c'était la lettre, j'ai cru que c'était bah faudrait choper un mage en dernier du coup. Ouais. Ouais, utile. C'est fait. C'est fait. J'essaie de tout crocheter, mais c'est pas l'air d'être. Qui est là ? Par ici ! Est-ce qu'il faudra qu'on aille au super oui, sud ? Oui, c'est fait. De toute façon, faudra qu'on aide. Qu'on fasse la quête des deux compagnons qu'on vient de recruter. Oui, c'est pour ça que je te dis il faudra aller au sud. Je suis enchanté de vous connaître. Salut, Vilain Coco, bienvenue, comment vas-tu ? Ah merde.
Et je sais pas, il y a des araignées quelque part, mais je sais pas où ni rien. Dans la cave. Une fin gnome à l'auberge, bras amical, semble avoir fui son foyer à cause d'une récente invasion d'araignées dans sa cave. Sa maison, m'indique-t-elle, se trouve juste à l'ouest de l'auberge du jongleur jovial à Beregost. À Beregost, ah bah c'est sur le chemin pour aller... Bah à l'ouest, il y a une maison avec des araignées dans la cave. Ouais. RTX off, ouais un peu ouais. Ah oui là, oui. t'es paré où là? T'es sorti? J'ai l'étage. Encore l'étage. J'ai besoin d'une bière. Regardez ces fourchettes échappent. Le problème de fer est cruel pour nous, ivrogne et coton. Quelque chose que je peux faire pour vous aider? Allez, empaillez votre œil sur cette lame pour voir si elle est affectée par cette maladie tant que vous y êtes. S'il te plaît, je vais juste me demander. Ils vont juste me jeter dehors et m'envoyer au milieu des brillants qui pourraient bien convoiter ma chope pourrie. Ah, du coup, ça me remet là-haut. Je pense qu'il faut parler à tous les personnages qui ont un nom spécifique. C'est fait. Il n'y avait pas un ici? C'est le gosse, donc je sais pas trop. Il y a Ushay. T'as pas parlé à Ushay? Non, je vais parler à personne là-haut. Bah, c'est parti. Rien n'est plus stable qu'un mur de pierre. Ah, tu veux que je lise, d'accord. Ah, comme tu veux, j'étais parti. Non, je peux faire les accents. Hein. Ah, vous avez entendu, il y a un ogre solitaire qui part d'une ceinture fétiche au sud de l'auberge de Bramsamical. J'ai dû troquer mon ceinturon perceur flambant neuf contre ma vie. Même pas intéressé par un exemplaire signé de mon livre. Ah, si vous me rapportez cette ceinture, je vous prouverai ma reconnaissance. Bon, là, c'est juste à côté. It's about time. Bring me another flagon of ale. Ah, t'es pris de le faire en anglais, celui-là. Oui. Je suis pas votre serviteur, moi. Allez, cherchez vous-même votre verre. Then why do you bother me? Be gone. Avec le plus grand plaisir. Ah. Ça a déclenché une quête? L'ogre. Non, bah non. Non, l'ogre, c'est toi. L'ogre fétiche. Un demi-orc inamical, j'ai l'impression que ça avait écrit un truc. Quelle brutalité. À l'auberge de bras amical, un demi-orc menaçant m'a pris pour un serveur. J'avais bien envie de lui expliquer où il pouvait se la mettre. Mais non, non, c'est pas ça. Où il pouvait se mettre ça dans imminente. Mais j'ai préféré m'abstenir. Il a cependant l'air d'être un combattant capable, peut-être le reverrai-je un jour en de meilleures circonstances. On cherche un magot, on a dit. De toute façon. On cherche quoi? Un magot. Un mage quoi? Oui, un mage. Oui, oui, un mage, ok. Non, je peux pas sortir. Ah bon? Ah non, il faut que j'attende que t'arrives. T'as parlé, Nessie, tout ça? Non, j'ai parlé à peu près à tout le monde, bah, je crois. Que Nessie, ça me dit rien, c'est pour ça. Je vous en prie. J'ai besoin d'une bière. J'ai pas de Nessie, moi. Bon, bah, je vais lui parler du coup. J'espère que nos locaux vous plaisent. Bienvenue à l'auberge de Bras Amical. Votre voyage semble avoir été difficile. Cet endroit est une véritable forteresse. Pour quelle raison? Bentley voulait que cette auberge soit un havre sûr pour toutes sortes de voyageurs. Tout le monde est admis ici, mais nous ne tolérons pas les fauteurs de troubles. C'est Bentley qui a construit cet endroit? C'est si solide, on dirait que ça a toujours existé. Oh non, Bentley et Genala n'ont pas construit l'auberge, ils l'ont trouvée. Ils faisaient partie d'un groupe d'aventuriers un peu comme le vôtre. Dans les premières années qui ont suivi le Temple des Troubles, quand vous, tous les dieux parcouraient notre monde, l'auberge était en fait la propriété d'un puissant prêtre mort-vivant de Baal, le dieu du meurtre. Le clerc maléfique étant affaibli par la mort de son dieu, Bentley et Jelana ont pu le détruire une fois pour toutes et faire main basse sur sa forteresse. Cet endroit n'est pas ce qu'il paraît à première vue. Le présent n'est qu'une mince couche de vernis posée sur le passé.
Observez n'importe quel bâtiment de la région sur la côte des épées et vous verrez que c'est le mortier de l'histoire qui maintient ses pierres en place. D'accord. Merci pour ce petit cours d'histoire. Est-ce que j'ai vendu des trucs ? J'ai un bâton à vendre, mais... J'ai peur que l'inventaire soit très limité, c'est surtout ça qui m'inquiète. Oh, bref. Donc, on reviendra à l'auberge s'il faut, hein. C'est pour se faire agresser qu'on doit sortir tous ensemble ou... Non, c'est parce que c'est notre zone. Une tâche facile. Donc il faut qu'on aille au sud, il y a un orc, c'est ça si j'ai bien compris. Oui. Par contre, voilà, si je prends les deux persos, faudrait qu'ils soient... Vous êtes une bien étrange personne. Ensemble. Oui, au sud, oui, du coup. J'ai un doute, mais... Au sud de l'auberge pour amicale, c'est ça. Voilà, peut-être. Ah ouais. Oh, j'ai pris l'anneau que le monsieur dans le chat il a dit tout à l'heure. De toute façon, je l'aurais vu. Hein. C'était assez voyant. D'accord, moi j'ai rien vu. Hein. Ah ouais ? Non, je savais pas du tout ce que c'était. Mais c'est une bague à. Du coup, à. Merde. VC stats, je ne sais pas comment on pourrait dire. Non mais j'ai même pas vu le truc qui clignotait ou quelque chose sur la carte. Ah oui. Ah oula, non c'est ça sur la carte. À moins qu'au sud ils considèrent que c'est au vous sud. Dans une zone vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ouais parce qu'on a l'air d'être quand même pas mal au bord. Oui bah sinon on va sur la partie sud de la carte. C'est vrai qu'on est passé un peu vite tout à l'heure. Ah oui. Bah c'est parti. Hein. De toute manière il faut aller au sud. Viens là du coup. Techniquement, on peut y aller n'importe où. Ah bon ? Oui. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, bien sûr. Ah, faut quand même qu'on soit côte à côte, mais... Ok. Et donc, si on regarde la zone, oui, on est... Donc, ce qui nous dit, le truc, c'est... pour obtenir des exemplaires. Récupère un ceinturon au sud de l'auberge radicale. Bah on y est mais du coup... C'est fait. On est au sud maintenant, il faut le trouver quoi. Il y a des vœux, il y a des monstres là. Oh. Ok. Appuie sur espace pour voir. Ah, t'as le droit de mettre pause, je te sais pour vérifier. Ah. Quoi, ah. Bah y'a un truc dans cette pierre. Une autre bague. Ah mais bon. Mais alors j'ai rien vu du tout moi par contre. Ah pour... Activer les noms. Moi quand j'ai les noms activés, je vois tout. Ah d'accord, ok. Ah, ça fait vachement moins bien sur l'interface. Ah bah oui, mais... Ok. J'ai rien pour du coup évidemment identifier. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ok. Glisse. C'est pour qui ? Oh, c'est vraiment que des sorts qui sont pour les mages, mais pas pour nous. Hein. Ça fait quatrième sort que je loot. Écoute, quand on trouvera un mage, il aura déjà des sorts. Hein. Ça c'est sûr. Hop là, lève la l'ogre. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir.
pour écraser le nez. Moi, c'est oh, écraser votre sale tête. Je dois être plus touché que je ne le pensais. Ok. T'es mal barré aussi, toi. Ouais, et c'est le pose automatique, c'est quand tu prends cher. Non, c'est ça. Parce que je pense qu'il... Ouais, on va le tuer, mais ouais, on va prendre cher, hein. Écraser votre sale tête. Voilà. Ok, je pense que les soins ont été cramés. Effectivement. Il y a un soin auto du coup. C'est pas mon sort de soin qui est parti. C'est fait. Si, enfin le mien est parti et celui-là de ton allié aussi, je crois. Ah oui, mais pas le mien du coup. Non, moi j'ai encore du coup. Ouais, mais il sera. Je pense que c'est un lancement auto du coup. Et ça se refait quand on dort, c'est ça? Affirmatif. De toute façon, il va falloir qu'on retourne à l'auberge maintenant. Rendre la quête, oui. Et puis je suis full. La quête, et puis bah, en profiter pour dormir du coup. Et vendre parce que du coup je suis full. Ouais. On va retourner à l'auberge. Tac. Et du coup, cet anneau, c'est quoi? Oh, j'ai encore un anneau qui sert à rien. Non. En plus, il va pleuvoir. Oh. T'as peur de l'orage? Non, non. D'ailleurs, je me demande si on se met pas juste au bord de la map et du coup on peut TP sans devoir remonter. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est moins RP aussi. Tout de suite. Ok. Faut aller dans les scripts et régler les persos parce qu'ils se lancent leur sort. Car si ils lancent leur sort quand ils veulent, ça devient problématique à terme. Mais ce que je pensais. Attends, je veux juste lancer le TP. Alors, en fiche de personnage. Personnalisé. Script. Ok. Tu fais ça sur les miens aussi ou c'est tu fais pour tous? J'ai fait sur un personnage, donc pour tous. C'est où par contre qu'on fait ça? Tu vas dans le personnage. Et tu vas personnaliser en bas à gauche. Et ensuite tu choisis script. Utiliser capacité spéciale. Et sort. Ok. On va juste attaquer en auto. C'est pas mal. Moi, il est en attaqué en auto seulement. Bah, des fils, hein, y a pas mal de choses, hein. Et personnalisé pour l'autre perso. Préféré à me dire. Ah, c'est pas mal ça, on peut dire. Attaque plutôt à distance. Carte tes sorts. Je comprends pas où c'est, moi je suis en IA avant. Ah, si, ouais, d'accord, j'ai un dit. Sort offensif, non, sort défensif non plus. Utiliser les capacités spéciales, tu l'as coché ou décoché? J'ai presque tout décoché. T'as gardé que l'attaque auto en fait, c'est ça? Oui. Comme ça m'évite de les lancer à chaque fois. Ok. Oui, bien sûr. Ah, c'est l'arrivée du jour en mode coucou. Jour, nuit. C'est ça. Monsieur Houille qui s'amuse avec l'interrupteur. Enfin, monsieur Houille. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, mais c'est en cours. Ah, oh, j'ai eu peur. Une tâche facile. Alors, bonjour monsieur. Je voudrais vous vendre... Qu'est-ce que je peux vendre? Je peux pas vendre le bâton? Ok. J'ai besoin d'une bière. Je sais pas ce que je fais des sorts, parce que bon, techniquement, ça serait peut-être intéressant. J'ai besoin d'une bière.
Bâton, faut que je le jette. Bon. Vous ne pouvez pas vous reposer tant que votre groupe est dispersé. Oui, c'est... Mais... Non, mais j'attendais que t'aies fini en fait pour pouvoir finir la quête. Ah, merde. Alors, il était bizarre, hein. Bah, vous sentez encore son odeur. Je donne 10 pièces d'or pour le ceinturon et 60 de plus pour trouver la baignoire la plus proche. Ok. Ok, l'heure du bain. Par contre, attends, on a vraiment gagné. Ah non, elle est accomplie. Elle est considérée comme accomplie. Elle est accomplie, ok. J'ai besoin d'une bière. Oui. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Ouais, je suis au comptoir. Eh ben, on fait dodo. Après une petite bière, évidemment. Évidemment. Au comptoir, justement. Ok. Donc du coup, j'ai dû récupérer mon soin. Ah, j'ai pas récupéré tout mon PV. Mais j'ai récupéré mon soin. Et il soigne un D8, ok. Bon, ça peut être pas mal, hein, quand même. Hop. C'est fait. Mais cette gestion d'inventaire va être chère. Je peux jeter les trucs, là? Sol. Ah oui, d'accord, ok. Je me suis dit que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on jette. Cette lettre... oui, donc je peux jeter les deux bâtons, quoi. Il y en a qui me servent à rien. Non, si je peux donner... on peut voir un garde. Ah, j'ai un deuxième truc, mais j'ai un deuxième ceinturon, mais je sais pas l'identifier non plus, quoi. Ah, j'en ai des trucs à identifier aussi. Est-ce qu'on peut parler à un garde? Après, on n'a pas visité la ville non plus, hein. Ouais. Bonjour. Ciao. Nikuba Nivole, dans le voisinage de l'auberge de Bras Amical. Les agresseurs sont punis selon la stricte loi de la frontière. Ok, non, je voulais juste... Okay, non, on fouille ici, quoi. L'identification, c'est dans le temple. Mais ça coûte... Ah, bah oui, bah, évidemment. Ah, le truc qu'on rentre. Bienvenue chez Garl Orkibrillier. Contre une poignée d'argent net, nous pouvons guérir vos souffrances si vous le voulez. Merci, on fait que jeter un œil. Oui, bien sûr. Alors, visiblement, il peut du coup aussi. Il est où là? Bonjour. T'as perdu la moitié de ton équipe, hein, je pense. Non, c'est bon, elle est arrivée, c'est juste j'ai été parti qu'un. De quel remède disposez-vous? Voilà. Et du coup, on a. Soin. Donner. Acheter. Identifier. Edit. Oh, ouais, effectivement, oui. C'est, ça coûte des ronds, ça coûte un bras, tu voulais dire. C'est 100 or l'anneau. L'anneau que t'as récupéré? Un des deux anneaux, parce que j'en ai deux à identifier, moi. Donc, évidemment. Ah, pour identifier, juste pour identifier un nom ? Oui ! Par pièce. C'est 100 or par pièce. Voilà quoi. Et ça c'est quoi ? Soin. Ah, c'est lui qui nous soigne, ok. C'est pas le sort de soin que j'achète. Parchemin de la transformation de la pierre en chair. Ça a l'air génial. J'ai rien acheté, bien évidemment. Je me dirais, est-ce que c'est intéressant de... Oh, j'ai envie de... Ouais, non, mais si, je vais identifier. Je vais tout identifier, quand même. Ouais, attends, parce que... Or qui brille, de quoi, guidera vos yeux l'or de vos voyages. Plein de fric pour ça. Ah, il y a un moment, faut quand même l'identifier. C'est pas mieux d'attendre un mage et puis d'avoir le sort d'identification directement. Alors j'ai envie de te dire, techniquement, mon quand je vois que mon sac est tout le temps rempli, ça va pas faire long feu. Parce que moi j'ai au moins deux choses à identifier, hein, sur moi. Ouais, bah je vais vendre le diamant.
or qui brille guidera vos yeux lors de vos voyages. Alors, le premier, la mémoire éternelle. La capacité d'équipement permet de mémoriser le double des sorts profanes de niveau 1. Ah merde! Profane, dommage. Bon, c'est pratique pour le mage. Ou un équivalent. Le deuxième. Anneau des princes. Permet de mémoriser... non. Ok. Merci. Voilà. Anneau de protection. Capacité d'équipement, classe d'armure plus 1. Jet de sauvegarde plus 1. Ok, bah... C'est pas mal. Terminé, ouais. Inventaire, bah je vais porter celui-là. Ah oui, il me dit que je peux pas le porter, effectivement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, c'est moi qui suis passé. Je croyais que t'avais fini. Heureusement qu'il considère pas que j'ai jeté par terre. Ça a l'air con. Donc du coup, ça change quoi? Voilà. Moins 1. Ah, je suis à moins 1. Mais c'est pire, non? Je croyais que plus on descendait, moins c'était... Ah, moins que c'est... Mon armure est encore plus pété en moins 1. Ouais, je connais pas les règles là, donc je peux pas dire. Bah c'est bon, je peux identifier ouais, les choses ouais, ou pas? Ouais, mais tu pourras identifier qu'un, j'ai pas encore vendu le diamant. Or qui brille guidera vos yeux lors de vos voyages. C'est où l'identification? C'est le troisième, quatrième. 1, 2, 3, 4. Ah, par contre, attends, s'il faut plus, je l'ai sur moi peut-être. Ah oui. Oui, moi je le mets. Ah, tu. Ça faisait un dans l'inventaire en moi. Ah, voilà, il le met sur ses autres personnages, il prend ça pour des sacs. Ah, purée, j'ai un anneau que je. Oh, j'ai fait une connerie. Quoi? Il y a un ceinturon, je peux pas revirer. Le ceinturon d'hermaphrodite. Un objet maudit, des plus rares, mais fréquents. Oh, j'ai mis un truc qu'il fallait pas, hein. Sur quel perso? Capacité le celui qui a 13 de vie. Capacité d'équipement changer de sexe du porteur ne peut être ôté qu'à l'aide d'un sort de délivrance de la malédiction. D'accord. Ok. Voilà, du coup voilà. D'une femme maintenant, du coup. Ouais. Déjà qui? Où est-ce qu'elle est? Non, pas. Ah, si, là-bas. Ah, mais avec mais le. C'est avec, c'était pas le bon perso. Ah d'accord. Ah merde, je les ai mis ensuite sur toi du coup. Alors, la ceinture d'antipode créée à partir de la fourrure d'ours blanc. Cette robuste ceinture est gravée d'images de lune bleue et blanche banquise. Le porteur est immunisé à tous les effets à base de froid, mais souffre du double de n'importe quel dégât de feu. Ah! C'est dangereux et très intéressant. Ouais. Alors on a plus de... Mettre. Ouais c'est... Ok. C'est fait. As-tu identifié le reste du coup? Bah du coup non, c'est bon, vu que l'autre... Ok. Il a changé de sexe quoi. C'est pour ça qu'il a changé un peu de tenue tout ça. Ah oui effectivement. Ah oui il a pris des seins dis donc. Oui, c'est ça. Pixelisé, mais oui. Ok.